l'idée de travailler sur Papillon? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce personnage atypique? Ce qui m'a attiré d'abord, c'est le boulot sur un livre, en fait. C'est-à-dire que je voulais absolument faire un album disque, je veux dire, sur un livre, et j'ai fait mon choix parmi les deux, trois trucs que j'avais. Et en fait, c'est Papillon qui a gagné dans mon concours intra-maison. C'est Papillon qui a gagné parce que je trouve le personnage attachant, et surtout il a une énergie incroyable. C'est-à-dire que Papillon, jamais, à aucun moment, il va décider de baisser les bras. C'est un échappé permanent. Il se définit, lui, comme de passage et pas comme un forçat qui va rester là, bien qu'il ait perpétuité. Pour lui, sachant que tout ça part d'une erreur et d'une injustice, enfin, ce que dit le roman, donc il se considère comme quelqu'un de passage. Et moi, c'est ce que je trouve de passage, oui. De passage. Ouais, mais passage et, aussi. Mais non, et oui, dans le fond, il est sage puisqu'il se dit innocent. Bon, évidemment, quand un mec l'emmerde, il lui plante un coup de couteau dans le dos et tout. Mais c'est un gars qui a eu envie d'une certaine, comment dire, il a une certaine éthique et il est encore de ces truands qui ont un code d'honneur. Et donc il est donc au bagne. D'après lui, pour rien, donc il va partir. Et tu dis donc, roman, c'est pas une autobiographie, c'est vraiment un roman, il a romancé un petit peu, Oui, il a romancé, on lui a demandé de romancer un peu, je suppose que le premier, enfin, entre nous, on se dit souvent là, que le premier jet qui a dû arriver chez Robert Laffont, l'éditeur du livre, il a dû peut-être un peu manquer de piment ou de rythme ou un truc comme ça, donc c'est pour nous, c'est un roman, surtout que, évidemment, c'est tiré. C'était dans une collection qui s'appelle Récits, et c'est tiré de faits réels, qui est sa vie, mais il y a des choses qui sont quand même romancées. Je pense qu'il y a c'est clair qu'il y a des choses qui sont arrivées à d'autres forçats et qu'il a pris à son compte, ou qu'il a mis en place. C'est pas une rédaction, un livre, en fait. On dit pas, bon, voilà, d'abord il m'est arrivé ça, puis ça, puis ça, puis ça, et puis après, pendant 15 jours, rien, puis après, voilà. Là, ce serait très, très, très dur à lire, ça s'appelle un rapport, ça. C'est pas assez. Alors que là, c'est un roman, quoi. Comment tu es parti? Donc, au départ, ça devait être un disque uniquement. Oui. Avec des illustrations de Sylvain, la pochette, plus illustration intérieure. Comment ça a basculé vers aussi ce projet de BD disque, en fait? C'est la maison de disque qui, en voyant la pochette de Sylvain, nous a dit: oh, mais vous devriez faire une BD, puisque votre illustrateur est BD. On dit ça, BDiste? C'est pas terrible. Hein. Vous faites de la BD. Non, mais BDeur, en fait. Et puisqu'il est capable de faire ça, en tout cas, faites donc une BD, et l'idée, elle est partie comme ça. Et toi, ça te botte de travailler sur ce thème déjà Ah ben ouais. Moi, j'avais pas lu le bouquin, j'avais vu le film comme tout le monde, mais oui, travailler sur une BD, moi en plus j'en faisais pas à ce moment-là, donc c'était parfait. Et puis, vu que j'avais placé l'univers et tout l'esprit de Steph en images, de pouvoir le développer sur un album entier, c'était super. Enfin, c'était une chance, quoi. Parce que ça, autrement, j'aurais bossé un mois ou deux, et puis ça serait arrêté là, quoi. Donc c'était bien, ça me laissait encore bosser plusieurs mois dessus. C'est toujours un plaisir. Le titre de l'album, c'est « S'insérer dans le papier », donc tu t'es vraiment assimilé au personnage, tu as vraiment fait une plongée dans... Non, on s'est mis d'accord sur le fait que Papillon allait avoir ma tête, et en fait, c'est Sylvain qui a trouvé le titre. Ça me va, en fait, ce sera appelé autrement. Enfin, moi, j'avais pas, d'ailleurs, je pensais pas que ça allait avoir un titre, en fait. Ouais. Moi, je pensais que ça allait être non, mais que ça allait être Papillon. Ouais, bien sûr. Pas un dérivé de ouais. Et j'aurais été incapable de trouver un titre, et ça, en fin de compte, c'est moi, j'aurais pas trouvé ce truc là enfin, j'aurais pas mis San Severino et Papillon, puisque c'est en fait un genre de pastiche de titre américain, un peu, ce truc là enfin, pas de titre, mais de featuring dans ouais, un film, quoi. L'idée de base, c'était aussi de traiter les chansons en images et en illus à l'intérieur du livre. Et du coup, comme Steph, il dit « je » dans les chansons, bah oui. Il fallait que, quand on raconte l'histoire, on était obligé, accessible, de dire, bon, et on s'est posé la question, est-ce qu'on garde Steph ou pas, est-ce qu'on change, est-ce qu'on le vire, sinon j'aurais dû faire l'inverse, c'était prendre moi la tête de Papillon, ouais, et puis avec des masques, ouais. Avec des masques, ouais. Et des ailes, ouais. Et des... ça aurait été peut-être mieux. J'aurais bien aimé les ailes. Les chansons racontent des moments de la vie du personnage, donc ouais. Une division par chapitre.
Et par contre, l'album, lui, relie un peu tout ça. Cette idée s'est imposée dès le départ, justement, de ne pas faire des illustrations des chansons, mais de vraiment relier, faire des ponts entre les différentes chansons. Il faut demander à la scénariste, que nous, on sait pas ce ouais, c'est moi qui me suis occupée de ça. Écoute, oui, c'était important qu'on garde le fil rouge de l'adaptation que Stéphane avait fait du bouquin. Et c'était chouette parce qu'il restait des milliers de choses à raconter entre les deux. Donc on s'est très vite mis d'accord avec l'éditeur qu'on allait raconter Papillon du début jusqu'à la fin avec en point d'orgue les chansons et entre-temps le déroulé de l'histoire avec certaines anecdotes que Steph n'avait pas eu le temps de raconter parce qu'il y en a trop. Mmh. Et on s'est retrouvés avec un condensé de Papillon à ma sauce, à la sauce de Steph et évidemment la sauce de Sylvain, mais voilà. On a fait ça comme ça. Alors moi, je n'ai pas vu de concert encore, mais on sent que c'est un vrai projet de scène où on vient sur scène, on raconte une histoire aux gens. Il y a vraiment un partage qui s'instaure, on a envie de raconter cette histoire-là au public. Ouais, c'est un conte. En fait, le concert commence comme ça. Je fais la première chanson de l'album, puis la deuxième, etc. Non, mais l'ordre n'est pas changé. D'habitude, quand on fait un album, d'abord, on peut ne pas jouer toutes les chansons de l'album dans la tournée. On peut n'en jouer qu'une ou deux. Moi, généralement, je les fais à peu près toutes, mais des fois, il y en a une ou deux qui peuvent sauter comme ça dans la liste. Là, je suis obligé de raconter tout aux gens pour que ce soit compréhensible, parce que entre ceux qui connaissent déjà l'histoire, mais qui l'entendent pour la première fois chanter, et les gens qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire, il faut qu'en entendant des chansons pour la première fois, ils puissent suivre à peu près l'histoire, ce qui fait que ça dure à peu près une heure, c'est un tout petit peu plus long que le disque, et j'ai quelques phrases pour les remettre un peu sur la piste, quand par hasard, je pense qu'ils sont un peu largués, quoi. Je leur dis, voilà, on est dans le premier tiers du livre, je sais que ça fait une demi-heure qu'on joue, mais on est dans le premier tiers du livre, et voilà où ils en sont, ils sont en Colombie, où ils viennent de s'échapper, et là, ils sont sur le bateau. Parce que des fois, il y a des détails qui vont vite, quoi. À la fin d'une chanson, je dis, je remonte sur le bateau et je retourne à Cayenne. Si l'auditeur, il se fait ça au même moment, ou alors il écoute la partie de violon derrière, il n'entend pas, et pour lui, le personnage n'est pas revenu à Cayenne. Donc, je suis obligé de redire les points importants. La difficulté de Cécile aussi, vu que c'était très, très dense l'album, c'est d'arriver à choisir les petits moments importants du livre pour que narrativement ça coule et que ça marche en BD. Et c'est toi, comment ça organise le travail de la BD, proprement dit, ça? T'as relu le bouquin et t'as isolé les parties, ouais, les chapitres, hein. Oui, j'ai fait un truc. En fait, j'ai travaillé sur le bouquin sur lequel Steph avait travaillé, donc j'avais toutes ses notes à lui, tous ses gribouillis, toutes ses petites... Des notes, c'est pas des gribouillis, c'est des notes. Non, des gribouillis, il y avait des gribouillis aussi. Enfin bon, là, c'est vraiment sur ce livre-là. Ouais. Et après, en fait, j'ai fait un truc tout con, c'est que j'ai noté page par page ce qui se passait, en fait. Et du coup, je me suis retrouvée avec un immense séquencier sur, je sais plus il y a combien de pages, il y en a 800 pages au moins, ou 900, enfin ça dépend de l'édition, mais celle-là, c'était à peu près le cas. Et ensuite, du coup, j'avais tout le bouquin qui tenait sur 20 pages, si tu veux, mais avec ma manière de retranscrire ce que j'y avais lu. Et à partir de cette matière-là, j'ai isolé les parties que Steph avait déjà traitées, je les ai enlevées, et je me suis retrouvée avec un fil rouge qui s'est imposé tout seul à moi, mais qui était... oui, c'est comme ça que j'ai bossé, en fait, au début, pour faire le scénario. Et graphiquement, quelles sont les premières images qui te sont venues, Sylvain? Les premières images, là, je ne me rappelle plus. Mais à quoi t'attaches le plus d'importance le cadre, bon, le cadre de Cayenne, c'est ouais, aussi important. En fait, moi, je plaçais un décor et après Steph et en fait, c'est comme si une commande à la base, donc l'idée des personnages m'a été imposée. Et en fait, du coup, j'ai de la chance que c'est que des gueules, en fait, ces musiciens. Donc, du coup, j'avais une petite liste de personnages vachement agréables à dessiner. Donc, premières images, c'est plutôt arriver, eux, à les mettre dans un décor à Cayenne, à cette époque-là, mais en même temps, pas vraiment. Enfin, il y avait un côté un peu décalé. Parce que ce qui est compliqué à réaliser en dessin, c'est que les chansons que joue Steph avec sa gueule d'aujourd'hui, il le joue dans les années 60 pour raconter une histoire de quand il avait 20 ans en 1930. Donc rien que ça, c'est, je pense que à peu près personne l'a compris dans les lecteurs. Donc tout ça, c'est des choses que je me pose en question
Donc dans le détail, c'est-à-dire le micro, alors qu'est-ce que je prends comme micro? Est-ce que je prends un micro des années 60? Micro d'aujourd'hui, est-ce qu'on s'en fout? Le cabaret, est-ce qu'il existait dans les années 60? Moi, c'est tous ces petits détails dans le dessin qui m'intéressent, et la vérité, même si dans le bouquin, il y a des trucs qui sont faux, c'est pas grave, mais c'est qu'on y croit. Et puis moi, ça m'amuse d'aller rechercher qu'il n'y ait pas trop de fautes de détails dans le dessin. Donc c'est la partie documentaire était importante quand même. Tu voulais quand même que ce soit crédible. Moi j'ai un dessin assez naïf, mais il y a 5 doigts de pied quand même à chaque pied. Quoi. Est-ce que t'as un peu dirigé, tu as dit ce que tu voulais au niveau du dessin ou t'as laissé carte blanche Non, j'ai laissé carte blanche à Sylvain et à Cécile sur plein de trucs. Je m'en suis pas mêlé d'ailleurs, même en fait, c'est des deux boulots parallèles au moment où eux faisaient la BD. Moi, j'étais en pleine promo du disque et en début de tournée. Donc, d'abord, je pouvais pas me mêler de tout. Et en plus, fallait qu'ils aient tous les deux leur propre univers de boulot. Et moi, j'ai demandé à ce que les guitares soient comme ça, parce que justement, en 1930, ces guitares-là, elles existaient et elles avaient les têtes carrées et du bois clair ou pas clair, etc. J'ai donné 2-3 avis comme ça sur les instruments. Et sur les montures de lunettes, enfin, j'ai d'autres montures de lunettes dans le livre, hein. Parce que ça, c'est des montures des années 60, donc ça va pas dans les années 30. Et ce genre de détails, on a dû en discuter, je sais pas, une grosse demi-heure en tout. Lorsqu'on est condamné à perpète, comme le personnage, finalement, on risque peu à fuir, comme il a tenté. Exact, bien sûr. Ouais. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir le personnage et qu'on apprécie mieux, c'est-à-dire qu'en fait, il risque rien? Si, il risque le cachot, bien sûr. Tous ceux qui comme lui sont fait des cavales et se sont fait rattraper. Mais il risque de se faire tuer, surtout aussi le cachot. Puis il risque quand même de se faire tuer. Oui, il risque clairement. Mais au bout d'un certain nombre de cavales, il y en a qui sont pendus. Hein. Et à la guillotine. Hein. Puis il y en a qui sont tirés dans le dos pendant qu'ils courent aussi. Enfin, bien sûr. Il y a des chasseurs, exactement. Ouais. Mais c'est toujours qu'une chaussure sur deux pour boiter, pour faire du zigzag. Je comprends pas pourquoi tu l'as pas mis, ça. Le coup de la chaussure bancale. Non, mais non, il risquait au moins le cachot. La deuxième fois qu'il part au cachot, d'ailleurs, il part pour 5 ans de cachot, 8 ans, pardon. Donc là, alors pendant un bain de mer, il se jette à l'eau pour sauver une des filles d'un surveillant, qui finit par ne pas sauver, mais en fait, il se jette à l'eau quand même dans les requins. Donc il est gracié de cette peine qui était censée durer 8 ans. Mais 8 ans dans un cachot, tout seul, sans parler. Ouais. Donc c'est pas un risque. Moi je préfère me faire buter quand. Et puis il y a aussi un risque, mais ça c'était très compliqué d'en parler, mais qui est vachement intéressant, c'est que surtout quand il arrive dans la dernière île qui est royale, en fait tout le monde est organisé pour vivre au mieux. Ouais. Les surveillants en bonne intelligence avec les prisonniers, ils font tous du marché noir, ils font tous du recyclage, ils se font de la thune, il y a toute une économie qui ils vivent les uns grâce aux autres. Les uns avec les autres en gagnant beaucoup d'argent et en mangeant bien et en étant dans un confort relatif parce qu'ils sont là pour perpète et ils détestent les mecs qui ont des velléités d'évasion. Parce que les mecs qui ont des velléités d'évasion, ils remettent tout en question. Le bordel dans leur pseudo-confort en l'air. Voilà. Et c'est un gros danger, et ça c'est vachement chouette parce que on pouvait pas tout faire passer dans la BD parce qu'on avait que 96 pages, mais dans le bouquin c'est très intéressant. Tu le dis quand même, le sent un petit peu, mais c'est assez fort dans le bouquin. Mais à un moment, il est un peu en délégué syndical des forçats, Papillon, dans le roman, et il dit aux autres, écoutez, vous allez pas me la faire avec vos évasions qui perturbent votre confort, quoi. Ouais. Un homme, un vrai forçat, il s'évade. Ceux qui restent. Lui, d'après lui, ceux qui restent sont moins courageux que ceux qui partent, quoi. Bah oui. Au mieux, ils peuvent fermer leur gueule, c'est tout, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, viens de pas se plaindre, tu nous perturbes notre confort en t'en allant. Quoi. Par contre, il y a un moment où il y a un nouveau directeur, non plutôt un commandant qui est en passe d'être à la retraite et lui demande d'attendre un an avant son évasion, parce que s'il s'évade pendant sa dernière année, lui risque d'être dégradé, etc. Enfin, donc ils ont un accord ensemble comme ça, que Papillon, il écoute. Et puis il dit bon, d'accord. En échange, il lui donne évidemment un assez bon boulot qui lui permet d'aller pêcher tous les jours et tout, et de vendre des poissons et surtout de manger des trucs corrects.
Et là, il est en plein dans le cœur de la vie des forçats et tout, mais il a décidé d'attendre un an, d'accord. Le jour où l'autre part, il a déjà évidemment préparé une cavale, qui finit par foirer d'ailleurs, mais il s'en va quand même. Au niveau du projet, le fait de mêler plusieurs approches artistiques, on dirait la littérature, enfin, le bouquin, la BD, la musique, c'est quelque chose qui vous intéresse à la base, ces approches pluridisciplinaires? À moi, ça m'intéresse désormais. Je sais pas si le prochain album sera fait comme ça, mais dès que je peux recommencer, ça m'intéresse, bien sûr. Plutôt que de mélanger les arts, par exemple, mettre de la vidéo en scène et des machins et des trucs ou que je trouve très très technique, là, on a vraiment un crayon, un papier. Bon, évidemment, Sylvain, il dessine sur un ordi parce que c'est. Mais on aurait pu, s'il avait dessiné sur un papier, on aurait pu tout faire à cette table. Et du coup, c'est notre intérieur qui parle, c'est pas un truc technique. Et ça, moi, j'adore, quoi. D'un côté, on a une guitare, on écrit une chanson, là, de l'autre côté, l'autre, il dessine ce qui se passe dedans. Ici, Cécile, elle fait, ah ben non, là, tu vas mettre plutôt cette image-là, parce que il faut 4 euros de matériel, quoi. Enfin, sans compter la guitare. Et Bon, ça 4000, stimule 4 la euros. création. Ben oui, non, et puis c'est un truc qui Ouais. a une échelle, bah, pas technique, quoi. Je n'ai pas plus humaine que de bosser sur un ordi, mais c'est une manière de travailler. En plus, nous, on s'est un peu choisi, on est voisins, on n'habite pas loin, on se connaît, c'est d'avant et tout. Et c'est, enfin, moi, je vois ça comme d'une manière de travailler ultra simple. Et donc, le jour où il y a une panne de courant, on bosse quand même, nous. Et au final, qu'est-ce que vous retenez chacun sur ce travail, sur ce projet? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi, j'avais un petit peu peur le fait de bosser avec une star internationale, Steph, par rapport au retour justement cet objet multifonction et que ça fasse pas un objet commercial parce que moi ça me saoule assez quoi les trucs qui sortent pour et du coup c'est vrai que j'étais hyper content et tout par rapport au projet parce que j'adorais la maquette qu'il m'avait filé tout ça et en même temps je me suis dit bon qu'est-ce que ça va donner quoi à la fin et c'est vrai que les deux trois premiers retours qu'on a eu de critiques de BD qui ont dit que c'est un bon album ça m'a vachement rassuré quoi parce que je sais très bien qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont aller l'acheter parce qu'il y a Steph dessus. Je sais qu'on fait beaucoup d'émissions télé, de radio, ça fait beaucoup de pubs et c'est très très rare parce qu'il y a 360 BD qui sortent par mois et pour se faire un nom ou un truc c'est pas évident. Donc là Steph il aide vachement à ça quoi. Donc c'est super, mais en même temps ça Oui, il faut c'était que ça sorte pas derrière, faut quoi. que ouais, il faut que la BD soit bien derrière quoi. Oui, donc tout ce que t'en tiens, c'est que tu peux quand même bosser normalement avec un truc qui, a priori, est une idée de maison de disque et Ouais. plutôt un produit. C'est plutôt un énorme écrin magnifique, c'est une méga boîte pour mon album, cette BD. Enfin, mais c'est aussi une œuvre à part entière. Donc, moi, je me mets à me dire, même, je ferais bien un disque, une fois que la BD est finie. Une fois qu'une BD est finie, je ferais bien un accompagnement musical pour écouter pendant qu'on lit une BD. Dans l'autre sens, ouais. C'est dans l'autre sens, quoi. Une espèce de disque de jazz, avec la D'accompagnement. trompette. Jazz de droite. Sinon, qu'est-ce que tu retiens à Eh ce ben écoute, bah déjà j'ai pris mais vraiment vraiment beaucoup de plaisir et c'était très fluide et j'étais rapide et à l'aise, hein, alors que je suis plutôt quelqu'un qui passe son temps à douter de ce qu'il fait. Là, j'ai foncé et j'étais bien là, dans cette rapidité-là et dans cette et j'étais très agréablement entourée, en fait, comme j'étais très contrainte par le projet de Steph qui était déjà là et qui était déjà fort, et puis il fallait être à la hauteur. Du coup, j'étais portée par ça et je me suis laissée faire, et je suis très contente parce que c'est officiellement voilà, le bébé existe, je suis scénariste de BD, c'est bien, je suis très contente et j'ai envie de continuer. Voilà. Aussi Ah oui, moi je comment tu fais retiens pour que partir? moi je comment dire moi je suis ravi d'avoir continué l'aventure d'un album fini. Cet album il a été enregistré en 4 jours, j'ai mis un an à l'écrire, il est enregistré en 4 jours, donc d'un seul coup boum le truc s'arrête, maintenant on va en tourner mais le disque est fini et là le fait que ça continue dessus et qu'on une fois l'album fini qu'on se redise ah ouais mais là dans ta chanson tu dis ça donc nous on est obligé enfin de continuer à retravailler dessus.
Moi, ça me plaît beaucoup. Moi, je trouve ça très, très, très agréable de faire un truc à partir d'un album qui est fait, quoi. Donc, ce qu'ils ont fait, puisque moi, j'ai participé à la BD que de très, très loin, bien sûr. Mais si un jour je dois redonner un disque pour faire un album, pour faire une BD, ben, je ferai de la même façon que maintenant, quoi. De toute façon, moi, je fais des albums pour pouvoir faire des chansons en concert. Tout ça, c'est des chansons qui sont écrites pour être jouées en concert. Donc, je l'ai fait du mieux que je peux, et c'est ce qu'on fait tous les trois, quoi. Personne n'a pris ce truc-là comme une belle pochette d'album, alors on le fait vite fait. Moins on passe de temps dessus, plus c'est rentable, puisque de toute façon c'est un forfait. Mais c'est un peu ça la différence aussi, c'est-à-dire que Steph, il va écrire un morceau et après il tourne avec et le morceau il peut encore évoluer. Alors que la BD, quelque part, on l'a fait assez rapidement aussi, et puis après elle est fixée, quoi, figée dans le papier, quoi. Et c'est un avantage, en même temps c'est aussi un inconvénient, parce que t'as le CD qui marque le truc. Mais ce qui se casse, c'est que les chansons elles évoluent vachement sur les tournées, quoi. Enfin, peut-être pas là, parce que c'est un Si, peu. si, si, il y a des trucs qui changent, il y a des trucs qui se rallongent, il y a des choses qui sont plus fluides que dans l'album, il y a des chansons qui ont été jouées dans l'album. Pour l'album, elles ont été répétées, je sais pas, 30 fois, et là, ça fait 150 fois qu'on les joue. Donc, Ça bouge, bah forcément, la chanson, elle est plus claire, elle est mieux, quoi. Ça, c'est le problème de faire les trucs rapidement au début. Enfin, rapidement, non, pas Mais non, mais on rapidement. est obligé de Mais en fixer à un même moment de toute temps, façon. toi, t'as eu la chance de faire des concerts avant l'album. Oui, Enfin, vous oui, avez bien tourné quand sûr. même Non, pendant non, mais. longtemps avant, hein, c'était pas mal. Exact, ouais. Mais par solidarité pour vous, on change plus aucun arrangement. C'est comme vous pouvez plus changer de trucs Voilà. sur Ah, notre c'est BD. sympa. Nous, Ah, on c'est change plus sympa, rien, c'est j'aurais dit. sympa, c'est Juste, sympa. mon équipe m'a demandé, est-ce qu'on peut changer? J'ai dit non, bah, la BD, tu crois qu'ils changent les Ouais, images? non, mais c'est bien. Ah, chacun, tu vois, son réseau de gens et Ça, moi, c'est les. sûr, je suis déçu qu'il t'ait demandé. Ouais, non, mais je vais les virer. Bon.